Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons ensemble plonger dans le passionnant univers du métabolisme. Vous avez probablement entendu déjà parler de ce terme, mais savez-vous réellement comment il fonctionne? Et comment il peut influencer votre santé et votre forme physique? Restez avec moi pour une exploration approfondie, des conseils pratiques et des informations fascinantes sur le sujet du métabolisme. Tout d'abord, commençons par une simple définition. Le métabolisme est bien plus qu'un simple mot à la mode. C'est un processus complexe à l'intérieur de votre corps qui régule la façon dont vous utilisez l'énergie. Du moment où vous ingérez de la nourriture à la production d'énergie dans vos cellules, chaque étape est minutieusement orchestrée par ce système essentiel. Explorons donc les différentes phases du métabolisme. La première étape commence dans votre tube digestif, où les aliments sont décomposés en nutriments. Ensuite, ces nutriments voyagent à travers la circulation sanguine, vers les cellules, où ils sont utilisés pour produire de l'énergie. Comprendre ces phases est crucial pour saisir l'importance de chaque aliment que vous consommez. Ensuite, les différents facteurs qui peuvent influencer votre métabolisme sont par exemple la génétique, les hormones ou l'environnement. C'est important de connaître ces facteurs. Certains d'entre nous sont génétiquement, par exemple, prédisposés à un métabolisme rapide. C'est mon cas. Moi, j'ai un métabolisme qui est assez rapide. Peut-être que vous, votre métabolisme, génétiquement parlant à la naissance, est un métabolisme plutôt lent. Tandis que d'autres individus peuvent avoir des conditions médicales qui ralentissent également leur métabolisme. Les hormones, telles que l'insuline et également les hormones thyroïdiennes, jouent un rôle clé dans la régulation du métabolisme. De plus, des facteurs externes tels que le stress, la qualité du sommeil peuvent également impacter la façon dont votre métabolisme fonctionne. Le métabolisme évolue également avec l'âge. À mesure que nous vieillissons, notre masse musculaire tend à diminuer, ce qui peut ralentir notre métabolisme. Comprendre ces changements nous donne des clés pour adapter notre mode de vie à chaque étape de notre vie. Parce qu'elle est essentielle et très importante, votre alimentation a un impact direct sur votre métabolisme. Évidemment, si vous mangez des aliments sains, eh bien cela impactera positivement votre métabolisme de base, appelé aussi MB. Découvrez dans la description de cette vidéo quels sont les aliments à privilégier ou à éviter selon votre métabolisme de base, s'il est plutôt lent ou plutôt rapide. N'oublions pas l'eau. L'hydratation est essentielle pour un métabolisme optimal. 1,5 litre d'eau par jour, recommandé par un adulte, en moyenne. En effet, l'impact du sport sur le métabolisme est significatif. Et il peut jouer un rôle crucial dans la gestion du poids, l'amélioration de la santé métabolique globale et la promotion d'un bien-être général. Voici quelques-uns des principaux aspects de l'interaction entre le sport et le métabolisme. L'activité physique, en particulier l'entraînement en force, contribue à l'augmentation de la masse musculaire, par exemple. Les muscles sont des tissus métaboliquement actifs, ce qui signifie qu'ils brûlent des calories même au repos. Ainsi, à mesure que la masse musculaire augmente, le métabolisme de base, également appelé MB comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, la quantité d'énergie donc que le corps dépense au repos, elle augmente également. Cela peut faciliter la gestion du poids à long terme. De manière générale, ce que je vous conseille, c'est de pratiquer tous les jours un petit peu une activité physique modérée, comme par exemple de la marche, 30 minutes à 1 heure par jour, s'aérer, ça fait toujours du bien, ça fait du bien à l'esprit, au mental et également à votre métabolisme. En tout cas, merci d'avoir suivi cette exploration approfondie du métabolisme avec moi. Comprendre ce processus complexe peut vraiment ouvrir des portes pour optimiser votre santé et votre forme physique. N'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires, je suis preneur de tous les avis. N'oubliez pas aussi de me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle vous a aidé, si elle vous a paru correcte, si elle vous a paru intéressante. Et n'oubliez pas également de vous abonner, ça fait toujours plaisir, on rush les 2000 abonnés avant la fin de 2024, c'est l'objectif. En tout cas, restez en forme, restez en bonne santé, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Future Zero. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Ciao !